Haïti, t'es dans mi-temps commémoration abolissement esclavage. Dans le Moyen-Orient, guerre Israël-Hamas, soldats israéliens entrés dans Gaza pendant qu'ils mené action militaire sous deux fronts dans Gaza, dans le nord et dans le sud. États-Unis justice, M. Michael Cohen, ancien avocat Donald Trump, fait déposition jodia dans procès historique ancien président qui en bas accusation d'être qu'il était acheté silence vedette porno Stormy Daniels en 2016. C'est moi ça yo, avec l'autre encore nous allons développer pour vous. Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue sur channel là pour une nouvelle vidéo d'information que nous portons pour aujourd'hui. Chaque jour déjà constaté là, nous venons la caillou avec une édition La Voix de l'Amérique. Après La Voix de l'Amérique là, quelque dans l'autre grand point qui domine l'actualité que nous même nous gagnons que nous portons pour vous. Eh bien, syndicat la police là continue, y a pas raté. Mais un jour pour y lancer, eh bien, mais ça et puis ma boucle, l'assemblée pop quitter France LB. Un policier mouri, eh bien, dans zone Kafou, n'a pas vu avec détail pour vous pendant que vous avez un fusillade, le même qui t'a fait. Environ 5 Dominicains agressés et puis violés, ils ont ressortissant haïtien dans la localité Piantini, San Francisco de Macolis, en République Dominicaine. De l'autre côté, n'a pas connaît, et bien, il y a une note qui publié sur compte Twitter au conseil. Force by tout policier qui t'a victime yo kote le fait qu'on est sécurité à l'ipral vini. Là aussi, Poutine retourne avec Shoigu comme ministre de défense rete branché ou abjen en pile information. Patient qui te recevoir yon greffe kote li de prendre un cochon et bien li mouri ou abjen tout détail sa yo. Yon soldat américain démissionné publiquement dans pose nan conflit Gaza. Pas bon côté, pas nous toujours dans pays d'Haïti. Et bien bagay yo pas marché même yon plus passé des 2600 migrants haïtien qui retourne la caillou pendant année 2023 arrêté branché pour ça plaisir l'autre que nous voter pour mais pas oublier tout abonnez-vous avec channel là et activer la cloche notification pour la mettre sous tout pour pas rater aucun vidéo rete branché VOA Creole puis devant n'a pas avec tant qu'on dit dans grand titio et ben question dette et la France pour Haïti a et ben li té dans mi-temps célébration jour abolition esclavage n'a pour nous ça pita dans programme mais nous parler dans actualité dans pays d'Haïti d'abord côté avion américain continue à arriver dans pays d'Haïti pour porter matériel bay police nationale là et puis tout pour parer pour déploiement force multinationale là Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Directeur général police nationale d'Haïtien France LB qui accompagné de ambassadeur États-Unien Denis Bruce Hansking ak autorité dans aéroport parmi yo directeur général là Yves Ducamel François te répond présent samedi passé à dans aéroport international Toussaint Louverture dans Port-au-Prince pour recevoir un lot matériel. Matériel sa yo, c'est machine blindée, gouvernement américain, by gouvernement haïtien à travers police nationale d'Haïtien, dans le cadre d'un projet qui visait renforcer capacité opérationnelle institution la police. Selon une note, la police mettait dehors, journée samedi, marqué tout, commencement reprise progressive, vol commercial yo, avec arrivée dans l'aéroport, yon vol cargo, avec deux autres vols, compagnie Sunrise était organisé. Notre police nationale d'Haïtien souligné réouverture possible grâce à toute mesure qui prend et de plus en plus qui renforce pour faciliter reprise activité dans l'aéroport. N'a noté amélioration environnement sécurité dans l'aéroport, c'est résultat j'effort plusieurs autorités locales à coopération pays les États-Unis. Depuis plusieurs jours, avion militaire américain a fait va-et-vient sous tamac aéroport international Toussaint Louverture dans cadre préparatif déploiement force multinationale là qui prévoit 26 mai cap venir là. Plus passé 100 vols militaires américains doivent atterrir dans l'aéroport dans le cap vini yo, selon diverses sources nous capables de faire confiance. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Vous verrez à Créole. Et puis toujours sous dossier force multinationale là gagné yon avocat qui c'est yon défenseur droit moun en parlant de M. Samuel Madistek lui même qui saluait démarche que les États-Unis entreprennent lui même pour commencer préparer terrain pour arriver force multinationale là et nous gagnons sous place dans Port-au-Prince ou dans tout ça. Processus préparatif dans le cadre mis en place pour recevoir mission multinationale soutien à sécurité en Haïti, ça y est, le MMSS là a marché à grands pas dans Port-au-Prince. Premier contingent qui a supposé environ 200 policiers kenyans capables de débarquer dans le pays d'Haïti 23 mai 2024. L'armée américaine, dans la date 8 mai qui se passait là, a dit qu'elle commençait à préparer terrain pour arriver force multinationale ça que le pays Kenya pourra diriger en Haïti. Pour contrecarrer l'action gang qui l'a dit pays caraïbien ça, dans une souffrance économique et une crise humanitaire très grave. Yon dirigeant organisation Droit Moun, M. Samuel Madistek, dit lui saluer l'initiative ça. Nous avons besoin d'un support étranger pour permettre de nous remettre camper l'institution de sécurité. Force multinationale, c'est une nécessité aujourd'hui. Cependant, M. Madistek fait qu'on est, ça ne veut pas dire qu'il a vu résoudre le problème d'insécurité. Il souhaitait mission ça, venir aider à renforcer l'armée d'Haïti avec la police. Pour capable éradiquer gang armé. C'est ça que nous avons gouvernement qui pour comprendre rapidement, il y a une nécessité pour nous renforcer l'armée. Que ce soit en matière de ressources humaines,
pour nous former par exemple 10 à 15 000 soldats en 6 mois, pour nous équiper, pour nous nettoyer la police là, faire recrutement, renforcer, pour que dans 6 mois, le pays a qu'à prendre charge, responsabilité, sécurité. Avantage qu'on gagne, si je dis, là pour former un soldat en période normale, ça prend 6 mois. En période de crise, ça prend 2 mois. Sous faire recrutement massif et intensif, ou créer 4 centres de formation, Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, dans la Tibonite, au Caï, et pour commencer à recruter jeunes. Dans 2 mois, on sorti 5 000 soldats, dans 4 mois, on sorti 10 000, dans 6 mois, on sorti 15 000, ou armés, ou équipés, et son gang n'a fini d'être en Haïti. Les États-Unis d'Amérique contribuent dans l'argent avec équipement ou force multinationale sans participer physiquement, soit voyer troupes ou bien policiers. Commandement sud États-Unis a coordonné plusieurs vols avions militaires américains qui atterrit sous piste aéroport international Toussaint Louverture dans Port-au-Prince. Wena Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Mais pendant ce temps, gang même yo pas chômé pendant week-end, yo était dans Grissier, yo était l'autre côté encore. Et puis dans niveau politique, il y a conseil présidentiel transition lui-même qui ouvre inscription pour poste premier ministre conseil là. Détail Massadou Vilmé. En publication bureau communication présidentielle l'a fait, il a annoncé ouverture candidature pour poste premier ministre pour voie transition. C'est seulement parti politique et organisation qui signe accord 3 avril 2024 là cap capable postuler pour venir chef gouvernement. Inscription a dû commencer jeudi lundi 13 là pour finir 17 mai cap venir là d'après ça nous révélé dans communiqué. Cependant arrêté pour nommer Edgar Leblanc fils comme président conseil transition pour qu'on chambre sorti dans journal officiel pays a. On doit dire tout malgré les démarches qu'a fait pour héberger mission multinationale soutien à sécurité MM SS là qui t'a recommencé avec déploiement au fin mois mai qui vient là semblait pas intimider groupe civil armé qui continue prendre plus territoire dans département l'ouest là pendant week-end là bandi envahi commune Grissier et puis la gué habitants dans courir assaillant yo te prend commissariat commune pour cible principal yo côté yo rivé mettre difé dans espace là avant même force de l'audio qui te joint support commissaire gouvernement Miragouane Jean-Ens Muscadet te rivé reprendre contrôle espace là. Nouvelle le fait connait conseil présidentiel transition a multiplié effort pour la vie capable retourner dans pays là. Toutefois, pendant toute journée lundi 13 mai 2024, là, moun capable tande en pile coup de balle qui a chanté dans périmètre palais national là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massadou Vilmé pour VOA Créole. Merci Massadou Vilmé à actualité à peine connait dans hexagone dans pays la France côté dossier dette indépendance la France pour Haïti a été dans mi-temps commémoration abolissement esclavage. Nous sous place Franklin Edouard James. Gouvernement Emmanuel Macron et Premier ministre Attal choisi pour que capable commémorer abolition esclavage dans l'autre ville qui pas Paris. C'est pour la première fois ça fait. C'est une cérémonie très solennelle côté que en pile monde participer. Parmi moments clés dans cérémonie ça a discours ambassadeur haïtien Jean-José Pierre Dahomey et ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault pas quitter pièce monde indifférent. Ancien Premier ministre qui a dirigé Fondation pour la mémoire et de l'esclavage remettait problème dette la France pour Haïti a, au premier plan. Le défi haïtien aujourd'hui mérite non seulement une plus grande attention, mais également la mobilisation de moyens infiniment plus importants. Ce passé commun que j'évoque à l'instant, monsieur le maire, requiert de nous un effort de fraternité qui va au-delà des mots. Monsieur le maire, vous le jouez encore par l'appel que vous lancez aujourd'hui pour qu'au nom de l'histoire, la France s'engage dans une démarche de réparation en faveur du peuple haïtien qui subit actuellement une terrible crise. Cette démarche, mesdames et messieurs, elle est juste, car elle viendrait réparer une des plus grandes injustices de l'histoire. Je veux parler de l'indemnité colossale qu'en 1825, la France de Charles X a forcé les anciens esclaves d'Haïti à payer à leurs anciens maîtres, et cela pendant des générations, jusque dans les années 1950. Commémoration a été continuée par le discours du Premier ministre Gabriel Attal qui promet tout soutien à la France à Haïti. Vous avez évoqué, cher Jean-Marc Ayrault, la situation en Haïti. J'évoquais à l'instant l'esprit de résistance à l'esclavage. C'est dans cet esprit de résistance qu'est né Haïti. Nos peuples sont liés par cette histoire commune, comme le rappelait le président de la République l'année dernière en rendant hommage à Toussaint Louverture à l'occasion des 175 ans de l'abolition de l'esclavage. Face à la situation extrêmement grave que traverse Haïti aujourd'hui, devant vous, monsieur l'ambassadeur, je veux dire notre solidarité et notre soutien au peuple haïtien.
Dans l'occasion ça, le protocole a été dévoilé tout le monument Clarisse, yon femme noire sous l'île Haïti qui était connue nourrie ti blanc. Ça veut dire femme haïtienne ça, pas de discrimination la Kaili. Yon monument qui est réalisé par un fameux artiste haïtien qui c'est Philippot et assistant li José. Ancien premier ministre Jean-Marc Ayrault, quant à lui-même, fait qu'on est que 2025 là, t'as loué une grosse date pour Haïti. S'agissant d'Haïti, il faut assumer le fait que la France, par Charles X, par la République, Charles X, a fait payer pendant des décennies une dette aux descendants des esclaves et qui avait pour objet d'indemniser les propriétaires d'esclaves, les maîtres qui les avaient mis en oppression. C'est ce que la France a fait. Et je pense que ça a pénalisé pendant des années, et ça pèse encore aujourd'hui, le développement d'Haïti. Et donc, il y a une reconnaissance morale qui doit être faite. Et quant aux modalités financières, économiques, ça doit faire partie d'un plan qui ne doit pas être seulement l'affaire de la France, qui doit être celui de la communauté internationale. Mais mon sentiment, c'est que la France doit profiter de 2025, le bicentenaire de l'ordonnance royale de Charles X, pour prendre l'initiative internationale d'un geste d'engagement et de fraternité. Mais M. le Premier ministre, quelle institution qui doit prendre cela en charge? La France doit prendre l'initiative, doit s'adresser à ses partenaires, dans lesquels il y a bien sûr les États-Unis, qui a aussi beaucoup œuvré dans le mauvais sens à Haïti pendant des décennies, qui a soutenu les régimes autoritaires en place, et puis le Canada, qui a un lien très particulier. C'est ces deux pays avec la France qui peuvent être moteurs, mais ce ne sont pas les seuls, parce qu'il y a un geste qui est attendu par la communauté internationale. Je pense que le cadre doit être celui des Nations Unies. James Franklin Edouard, depuis La Rochelle, commune française, département de la Charente-Maritime, pour la VOA Créole. Merci, Jedem Soussou, VOA Créole. On va suivre un programme dans langue créole haïtienne, actualité internationale, dans un petit moment. Merci d'avoir été branché sur VOA Créole à ce que nous avons présenté. Il y a un programme dans la langue créole haïtienne, c'est le premier sorti. Nous, pour ce maintenant, nous avons parlé dans le Moyen-Orient, côté que force israélienne a mené une attaque sur deux fois contre militants Hamasio. Mais avant de aller dans la région Moyen-Orient, nous parlons d'abord dans New York avec Valérie Ocelui qui parle de procès historique. Ancien président Donald Trump et Jodia, c'est déposition. Bien, et Michael Cohen, ancien avocat et ami et ancien président, qui t'a répondu à la question. Michael Cohen, ancien avocat et ami personnel Donald Trump, paraît pour le témoigner et répondre à question dans le tribunal jeudi lundi 13 mai. Et jeudi, c'est 16e jour déroulement jugement criminel ça contre ancien président américain. La justice accusait Donald Trump peut-être que l'était falsifié document business interne organisation liant dans objectif pour cacher paiement l'argent que Michael Cohen t'a fait dans cadre effort pour acheter silence et enterrer histoire relation sexuelle que t'a gagné ensemble avec vedette film porno Stormy Daniels. Une histoire tête chargée qui était qu'à déranger campagne électorale ancien président dans l'année 2016. Témoignage ancien avocat Donald Trump, Michael Cohen, était très attendu depuis longtemps et pour ce qui était dit que y a un pile document, message texte, enregistrement audio, note avec plus document toujours, était présenté dans le tribunal là et pour ce qui était montré au bail jury dans semaine qui s'est passée là. Document ça a montré selon ça pour ce qui était dit que c'était un complot bien monté que Trump était fait pour influencer légalement l'élection. Laisse ça. N'a pas rappelé que Michael Cohen était passé à peu près 13 mois en prison. Il était gagné une année et demie côté que il était en arrestation civile la Kaili après que la justice t'ait condamné à 3 ans en prison pour menti que il était bail dans Congrès et pour crime financier. Jugement historique ça a déroulé 6 mois avant élection novembre nan, pendant que Trump a essayé battre président démocrate Joe Biden dans course pour Maison Blanche. Le week-end qui s'est passé là, ancien président américain Donald Trump a participé dans un rallye campagne dans New Jersey côté que il était shooté sur rival Joe Biden. Il était dit: You don't do that to your political opponent. It's done in third world countries, it's done in banana republics. Pas fait opposant politique ou ça. Bagay ça au fait dans pays tiers mondiaux, ça pas doit fait aux États-Unis. On y a moins capable parler libre et moins relé Joe Biden, moun qui pi incompétent dans gouvernement, pi mauvais président dans n'importe qui pays. Le monde entier a pris nous. Il c'est un monde fou, il pas un monde intelligent. Et jeudi lundi 13 mai, bonheur dans matin, Donald Trump retournait devant la justice à New York dans premier jugement criminel historique contre un ancien président américain et premier dans 4 poursuites judiciaires que Trump a bien pour répondre devant un jury. Donald Trump a plaidé non coupable pour 34 accusations criminelles. Et jeudi, elle a fait face bab pour bab avec anciens amis et avocats dans le tribunal. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. On dit que l'ancien président Donald Trump critiquait le président Joe Biden pour position gain par rapport à la question Israël. Et effectivement, nous avons le Moyen-Orient, nous avons annoncé avec Jean-Robert Philippe, côté que force israélienne a attaqué dans deux points, nord et sud. Et Jean-Robert dit nous que Israël a lancé attaque ça, malgré les États-Unis mandel pour soumettre un plan. Jean-Robert Philippe. Les Israéliens ont entré bien fond dans notre territoire Gaza, jeudi lundi 13 mai, pour reprendre contrôle zone ça. Ils ont été démantibilés dans la bataille avec Hamas, ça a gagné plusieurs mois.
tank ak soldat israélien yon l'autre côté traversé yon autoroute pour yon rentrer dans ville Rafah côté plusieurs milliers de palestiniens à prendre refuge. Soldat yon fermé yon route principale pour empêcher assistance humanitaire kap sorti en Égypte traversé pour yon rentrer dans territoire. Palestiniens ont occupé la rue nan De Al Bala dans centre Gaza pendant que soldat a attaqué nord avec ce territoire. De Al Bala, sortez les nas. Mahmoud Salmi, un dépassé palestinien déclaré, ici là dans Deir al-Bala, moun yo a vivi yon sou l'ordre, villa chargée ak moun, pas gen place vide encore. L'ordre déplacé Takou Mohamed déclaré quitter pays yo jwenn solution pour aider sorti. Guerre pa dwe rive nan niveau ça, c'est trop à tort. La guerre fait souffrir en pile, c'est trop à tort. Prix manger augmenté, pas gen l'argent, pas gen travail. Grand mettre la aider. Laissez frapper yo a déroulé 24 heures après Israël marqué jour du souvenir, jour qui dédié pour soldats avec civils qui mourent pendant la guerre avec conflit. Amin Khaman est sauvé bidiouk al-Kah. Premier ministre Israël, Benjamin Netanyahu, déclaré sans guerre ça, c'est soit nous-mêmes ou bien monsieur les Hamas la mourir, ou bien nous continuer exister avec liberté, sécurité, avec prospérité, ou bien tout simplement destruction nous. Ils coupent tête nous, violent nous et puis font tourner esclaves. Ici aux États-Unis, conflit Israël-Hamas là, dans le centre de campagne électorale américain entre Donald Trump, candidat président du Parti républicain, avec candidat Parti démocrate là, Joe Biden qui a cherché un autre mandat. There would have been no war in Gaza with me. Dans le territoire Gaza, si je suis sous pouvoir dans la Maison Blanche, l'homme des présidents, tu as la peine dans le Moyen-Orient qui n'a jamais existé. Ça va bien longtemps, l'administration Biden a annoncé une pause dans la livraison de quelques armes là-bas à Israël pour gommer avec Hamas. When we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor, fighting the Germans and the Japanese, sénateur républicain Lindsey Graham, qui a participé dans le programme télévision américain, mis de presse déclaré, l'État fait face avec destruction. Comme nation, après attaque Pearl Harbor, là, dans la bataille entre Allemagne avec Japon, nous avons décidé de mettre fin à la guerre et nous avons lagué deux bombes sur Hiroshima avec Nagasaki. C'était une bonne décision. Eh bien, Israël a une bombe nécessaire pour mettre fin à la guerre pendant que nous avons travaillé avec eux pour limiter les dégâts. D'après chiffres autorité la santé publié dans le territoire Gaza, quantité palestinienne qui mourit dépasse 35 000 à plus passer 77 000 autres qui blessés et deux tiers dans yo, ces femmes avec Simon. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Et comme réaction par rapport à guerre Israël Hamas, il y a un mouvement étudiant dans le campus universitaire aux États-Unis qui a continué et Gentil Augustin Junior a une mise à jour sur l'activité de plusieurs dizaines d'étudiants université américaine en ville Caire dans le pays Égypte étaient rassemblés en dans campus là pour supporter Gaza jeudi lundi 13 mai 2024 là ensemble avec mouvement mondial là sous campus américain yo avec l'autre université à travers monde là. Nous ici là pour nous exprimer solidarité nous avec frères ces palestiniens opprimés nous yo. Nous t'ai commencé marche ça sorti dans route Srinagar et si bon Dieu veut nous pral essayer mener li dans ambassade américaine. Environ 500 manifestants, surtout étudiants dans collège et université. Te marché dans la capitale Pakistan, Islamabad, dans un rassemblement contre Israël pour montrer solidarité yo ak palestinien yo dans Gaza. Manifestants yo te goumen yon titan ak la police pendant yo tap essayé marcher dans direction ambassade américaine nan pour manifester contre si pour Washington continuer à bail Israël. Manifestation même gens continuer à fête dans université hollandaise. Étudiants et employés dans université Amsterdam te fait un marche jeudi lundi 13 mai 2024 là sous façon université a témoigné manifestation pro palestinien yo. There are two reasons why we are here. Moi pense que gen des raisons qui fait nous ici là. Youn nan yo c'est génocide qui a continué dans Gaza. Nous là à côté faculté droit nous et puis nous enseignons droit international. Nous gagnons centre étude génocide dans campus ça. Manifestation pro palestinien yo pas seulement dans l'université, mais tout yo dans Orlando, dans l'État Floride. Manifestants pro-palestiniens ont fait face carré avec la police samedi 11 mai 2024. Là. D'après manifestants qui ont demandé un cessez-le-feu dans Gaza, la police a lancé gaz lacrymogène, surtout sous forme et timoun, qui ont protesté pacifiquement dans un parc. Moi là pour me faire tout ça qui n'en pouvoir moins pour opposer à génocide là. Et puis, camper avec palestiniens pour liberté. Moi là pour marcher avec l'État Floride là pour opposer à la politique États-Unis pour armer régime génocide ça. Et puis tout, comme un juif.
juif, et spécialement yon juif aux États-Unis, c'est plus gros responsabilité moi pour moi ici là, à tout le monde qui là pour supporter Palestine. Plus passé 7 mois après commencement la guerre israélienne, yon gros parti dans Gaza détruit. Ça qui t'a poussé 85% dans population territoire déplacé, nan mitan yon blocage manger, de l'eau pour boire et médicaments d'après Nations Unies. Plus passé 34 000 moun Gaza mouri pendant 7 mois la guerre. D'après autorité la santé yon nan Gaza, Hamas a contrôlé. Autorité Israël la te lancé attaque pour éliminer Hamas après attaque 7 octobre 2023, côté 1200 moun te mouri d'après chiffre israélien yo. Ça fait quelques semaines, manifestation étudiant yo te augmenté à travers Europe là. Après action même genre nan université américain yo, côté la police te gayé plusieurs camps. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. N'a retourné dans pays d'Haïti côté policier dans Jérémy dans département Grand'Anse lancé et depuis vendredi un mouvement protestation dans commissariat contre directeur départemental là qui lui-même démenti accusation qui tombait sous dolio. Mackinson Charles est correspondant nous dans région. Un groupe policier en majorité qui fait partie des Udmo Grand'Anse commencé un mouvement protestation depuis vendredi 10 mai 2024 là contre directeur départemental police Grand'Anse là commissaire divisionnel Louis Edner Yassin côté y arrivé bloqué barrière principale entrée commissariat et puis paralysé plusieurs services dans l'institution pour demander responsable retirer Louis Edner Yassin comme directeur départemental police Grand'Anse pour façon la page contre policier dans cadre travail yo, et reprocher les plusieurs bagages qui ça l'image institution selon eux même nous même policiers Grand'Anse mais ça n'a revendiqué nous pas qu'à travailler avec un directeur départemental qui est lui Edner Yacinthe dans tête police Grand'Anse là. Nous même policiers qui dans Idmoga peut-être n'a demandé lui Edner Yacinthe matériel pour nous travailler, il transférer en pile dans nous. Voler envahir ville là. Il a cassé caille, il a volé moto sous prétexte pas gain gaz, pas gain patrouille dans ville là, ni la journée ni la nuit. Là on voyait munitions pour policiers, nous pas recevoir. Il transférer plusieurs policiers parce que les policiers n'ont pas d'accord pour légaliser Zamba Namé, n'importe qui. Monsieur Louis Edner Yacinthe, pas Zamba et l'ordre pour intervention faite dans la zone de non-droit. Il demande pour tout commissariat dans la juridiction là, pour avoir 25% de la recette qu'il fait chaque mois dans la commune. Le service circulation, c'est 20 livres, 20 postes. Chaque vendredi, pour avoir 25 000 gouttes. Il mette Boudou Fanfan, alias Tiranga, la recette dans toute commune. Là. Marcher chercher moun qui besoin légaliser zam, yo pas même gonn côté l'acheter zam nan. À partir d'aujourd'hui, nous mandé voyez un nouveau directeur départemental pour nous. Divers moun dans population té massé devant commissariat Jérémyan, yon façon pour porter support bay policier yo. Quand on support nous avec policier yo, parce que c'est policier yo qui décide qui dit pas capable pour nous. Depuis dien ça vini, toute police qui on a bay service pour aider population sur le sécurité, on a ça vini, il respecte tout. Directeur départemental police Grand'Anse là, Louis Edner Yacin, voyez j'étais bien loin, reproche policier yo t'a fait li. Ça qu'a passé là pas rien à voir avec la police. Ça sont manipulation politique que nous recouvre peut-être. Ouais, manipulation purement politique. Mais il y a quelques allégations mensongères que vous dites là, vous avez rectifié. Premièrement, vous dites que vous avez 20 ans, qui est responsable de ça, qui est dans le département, qui demande 25 000 gouttes, qui vient dire qui est là pour qui ça. Second, vous avez dit que le département de la police là. Il y a 5 000 gouttes, vous avez légalisé les amboulis, qui vient dire qui joue qui est. Tout ces bagages mensongères, il y a imaginé. Depuis Jérémy, Mackinson Charles, pour VOA Creole. Était province n'a pas entré dans New York côté te gon parade qui déroulé en prélude à fête drapeau qui c'est samedi qui vient là qui c'est 18 mai glorieuse Nelson. Organisation Life of Hope ak partenèl yo réalise 5e édition parade culturelle pou kote non Haïti nou la toujou nan date 11 mai 2024 lan. Célébrer héritage haïtien ak fête drapeau, c'était parmi objectif activité si la qui te déroulé nan zone qui relé Little Haiti nan Brooklyn. Chantal Léon fait partie de l'équipe qui t'a organisé hein, l'a expliqué. Parade ça tellement important né ça c'est parce que Jean Haïti a souffri nous mêmes nous c'est nous cœur de communauté nous cœur de moun yo ti moun yo grand moun yo tout moun ensemble parce que quand on la drapeau nous il dit l'union fait la force so nous mêmes n'a fait force là nous en plus défilé hein public a une chance d'assister à diverses représentations artistiques. Avant ça, officiel qui était sous place, yo t'ai profité afficher support yo ba organisation hein pour service la baie dans communauté hein. En pile nan yo t'ai ba don l'argent pour aider rénovation locale organisation c'est là.
Si pour ça cadrer à vision pour reste Luxembourg qui croit faut gagner tête ensemble pour communauté haïtienne capable avancer. Individuellement, mais les leaders en veut dire ça pour nous faire fort pour nous battre société, mais nous battre famille, pour nous battre communauté et mon gars de salinte de ça. La quitter un pays pour nous, mais c'est nous qui pour travailler pour une république. Monde qui t'est venu assister les filles ici là, tu as une chance croisée avec des prestataires service tout qui t'est là pour exposer travail yo. Lovely pour les mons, c'est une haïtienne américaine qui travaille pour bureau magistrat ville New York. I mean, 220 ans sont plus en lien. So, malgré nous qu'on a pu passer à Haïti, nous l'avons célébré, comme nous encore. Nous avons célébré, nous avons tout le monde qui a eu des ressources. Nous connaissons depuis nous-mêmes, nous avons eu des raisons ici. Nous avons aidé les familles à Haïti. Congresswoman Yvette Clark, c'est une officielle qui a participé dans la parade Haïti, nous l'a toujours. La bonne raison qui a poussé le répondre présent. Avant jour fête drapeau, on a célébré accomplissement qu'il dit à richesse histoire haïtiano-américaine à peuple haïtien. Cinquième édition parade là, t'as pas fini avec animation musicale DJ à groupe légendaire Tabou Combo. D'après information qui est disponible sur site organisation Life of Oplan, il a travaillé depuis l'année 2006 avec jeunes et puis immigrants haïtiens dans Brooklyn. Moi c'est Glorieuse Nelson, pouvez-vous accueillir depuis Brooklyn, New York. Et c'est avec dernier reportage ça que nous avons mis fin dans le programme aujourd'hui, un plaisir comme d'habitude pour nous. L'autre information que nous portons pour et bien nous aller ouais directement dans fusillade qui était faite dans Carrefour pendant hier soir qui s'est passé là entre Côte Plage 18 avec 20 et bien policier 22e promotion lui-même qui c'est Jean Danas et bien lui rivé joindre la molle et puis et bien Jean information yo fait quoi t'assemblé yo aller avec cadavre policier si là qui donc policier qui continue à victime SPNH 17 qui continue à attaquer juste dans zo DGPNH là avec au commandement la police là et bien les même pendant le bat bravo la police dans nord pour la police dans nord syndicat la police là les même l'était porter si Paul by policier dans nord cap dénoncer juge Alfred cap porter la justice dans département nord justice padoué la gué dans main corrompu syndicat la police là qui c'est dans tête SPNH 17 mandé ministre justice là les même si gen nan peyi a pour yo même yo prend décision ki donc même SPNH 17 pa konnen si gen ministre justice dans peyi a et nous même ki pa ki on sep civil comment bagay la même li paraît pour nous si SPNH 17 pa konnen si gen ministre justice pour nous même et ben ki nous sep civil bagay la paraît vraiment grave pour nous côté SPNH 17 continuer pour li pressé pour juge corrompu a pa continuer dans la justice là en otage policier Remy Sens doit joindre justice policier doit bloquer toute activité justice dans juridiction jusqu'à ce que gagne un juge propre qui rende décision sous dossier selon la loi la justice pas exister dans la police qui donc selon SPNH 17 il continue à attaquer les nèg qui gagne pour avec dossier justice là et bien nous même qui simple civil nous pi mal policier tombé dans fusillade Carrefour et bien ça fait pile parler en pile entre côté pas côté nèg bandi au fin touyer policier et assemblé au même yo tout aller avec corps policier si là mes amis bagay là paraît vraiment drôle dans pays d'Haïti et bien de temps en temps la police yo même y a prend coup dans une note pour la presse yo mettez de yo et bien hier qui était 13 mai 2024 la membre conseil présidentiel transition elle même li prend engagement pour mettre sécurité en Haïti dans un petit temps qui pas trop loin et bien qui s'est passé dans lettre dans note de presse ça n'a pas le pour qui dit conseil présidentiel pour transition note là lui même qui parti Port-au-Prince lundi 13 mai 2024 li titré à comme ça note pour la presse yo dit comme ça peuple haïtien c'est ak en pile indication conseil présidentiel transition lui même li apprendre bandi exam yo continue à simer la trouble dans pays dans journée samedi qui était 11 mai 2024 la criminel yo rentré dans commissariat Gressia ak la caille youn nan responsable police là et puis yo fait violence mettez di fait plusieurs citoyens dans population civile la victime zak sa li même yo témoigné yon l'autre fois encore pi gros urgence qui gagne là c'est déraciner
banditis la nan peyi a ki donc sécurité citoyen yo pa katann encore ses responsabilités pa nou nan conseil présidentiel transition pour nous garantir sécurité chaque moun k'ap vive en dedans peyi a nan même note la yo continue yo fait konnen nan sens sa depuis conseil la li même li té informé sou zak bandi ak zam yo nan gresye li té parlé avec autorité responsable yo et puis passé instruction bay chef la police là pour prendre contrôle la situation et puis prend toute mesi pressé pour zak sa yo même yo pas arrivé pièce côté encore nan pays li clair gen en pile panique nan mitan bandi yo parce que li clair tout pour tout pays a li même yo ta konnen et bien farine nan li même li pap vini nan même sac là nan sens ça conseil présidentiel transition bay population garanti nan yon titan ki pap trop long bandi pral suspend fè la loi sou koyo et ben nan kayo nan quartier yo nan ville ak nan pays ya ki donc c'est ça conseil présidentiel transition nan même l'autre là pour continuer côté conseil présidentiel transition a profiter occasion ça pour voyer force bay tout policier yo ki rete attaché avec principe la police là malgré situation difficile yo nous voyons c'est parti nous bail tout monde qui victime en bas criminel sans foi ni loi yo nan gresye avec nan tout l'autre côté nan pays a n'a di yo nous là et nous là n'a bail réponse à problème insécurité après le résoudre bandi yo gen une seule option c'est déposer zam et puis rendre tête yo bail la justice la vie moun nan c'est première richesse yo société l'elle pas respecter avec protéger c'est tout pays qui a té c'est nan note là toujours note la continuer pour dit nous dit population merci pour maturité li montrer li gagner nan rete thème face à face criminel yo jan yo capable maturité ça apparaître piclé nan patience population prend pendant li wè diligence k'ap fait nan conseil là pour nous montrer pressé yon gouvernement et puis monter conseil national sécurité qui c'est KNS agent encore 3 avril là prévoir eh bien conseil national sécurité qui pral gen pour coordonner relation police nationale d'Haïti FADH qui c'est l'armée d'Haïti avec support international là dans un domaine sécurité ça pral yon véritable machine la guerre contre bandi tout plimage nan pays a n'a fini pendant n'a rappelé population pour pas prendre aucune diversion provocation avec confusion moun k'ap fè zak kontyo depuis longtemps absimaye sou réseau yo non place yon criminel la c'est nan prison lié nous doit dénoncer au conseil présidentiel transition mandé pour tout peuple haïtien li même pour collaborer avec toute force l'audio parce que bataille contre insécurité a se bataille tout monde qui pas bandi et puis qui pas supporter bandi note si la li même li fait connait pour conseil présidentiel li signé pas Monsieur Edgar Leblanc fils comme président c'est notre ça yo mette dehors et bien pour pile monde qui fait connait conseil là même c'est goumé pour pouvoir malgré le paraître clair mais yo même et bien yo fait yo message pour la première fois bay population pour faire connait qu'il mettre tête frette qui donc pourquoi il est là et bien population capable rete quoi conseil là parler et bien pour gagner sécurité dans notre qui yo même yo rendre public sous compte X et bien conseil là voye force bay tout policier yo tout et puis voye sympathie bay toute famille victime dans zak criminel dans pays a conseil yo dit problème insécurité à libéral résoudre et bandi yo même yo gagne une seule option qui déposer zam. Donc si bandi a faut passer mise ou pas besoin paye et donc conseil la fait qu'on est dans un titre qui pas trop long là et ben ou pral une solution en bas mais nèg exam qui continue et qui vient plus agressif dans dernier jour ça là nous pas connaissi par rapport nouvelle force là lui-même qui déjà commencé là et ben bandi même qui pas poser et ben continue à mettre pression l'autre information que nous porter et ben information que vous deux connaît passion qui te recevoir yon greffe qui te rein cochon lui-même li mouri premier patient vivant qui te recevoir yon greffe rein cochon après modification qui te faite là dans li mouri 2 mois après opération c'est ça l'hôpital américain lui-même qui te fait li rapporté masse générale
triste en pile pour mort subite monsieur Rick Slyman lui-même nous pas gain si qui montrer c'est à cause greffe là que lui-même il t'a recevoir pas trop longtemps et ben c'est l'hôpital à Boston là lui-même qui fait déclaration que lui-même l'a publié samedi soir qui s'est passé la première fois ça t'est fait dans monde là et bien chirurgien à l'hôpital général Massachusetts lui-même yo te greffé nan mois mars passé là yon rein cochon après yo te fait quelques changements là dans le tout et bien sous l'allemand li même qui te gen 62 l'année nan moment pendant li même li t'a souffri avec yon maladie rein qui te rivé nan dernière phase li et bien ou t'a pral mettre yon rein cochon là dans la déclaration l'hôpital l'a dit Slyman a toujours rete yon fal espoir pour en pile patient nan monde la ki besoin greffe organe pour avancement nan science ki rele et bien xénotransplantation ki donc monsieur li même li mouri et bien recochon li même yo te mete information pa fait konnen selon journal AP et bien information sa yo même yo pa fait konnen est-ce que c'est recochon ki t'a pral touyer mais pourquoi il est là patient qui te recevoir recochon et bien finalement li mouri après li te fin recevoir qui donc li perdi la ville mais information pa di si recochon li même ki touyer. L'autre information que nous pral wè kounya nous pral aller dans une note OIM lui-même li meté d'ailleurs côté le fait qu'on ait plus passé 216 000 migrants haïtiens et bien qui retourner la caillou pendant année 2023 dans un rapport organisation migration internationale la OIM lui-même li sorti pendant journée hier qui était 13 mai 2024 là il fait qu'on est dans année 2023 gain on a fait de 200 ou bien plus passé 216 000 migrants haïtiens qui tourner vin en Haïti selon yo et bien moun sa yo même yo soti dans divers pays mais pi fort soti dans République Dominicaine. République Dominicaine y a déporté nous, y a violé nous, pi devant n'a venir information de un viol qui fait en pile migrant retourné après eux même yo te fait plusieurs mois ou bien année de yo Haïti yo fait face avec difficulté pour bien rentrer dans système communauté yo te yé pour ça qui garder divers pays migrants ça yo même quitté yo et bien au préciser gain 108169 haïtiens qui quitté République Dominicaine gain 3338 qui sorti Chicken Caicos 2021 sorti Bahamas gain 1862 qui quitté États-Unis 751 sorti qui bas 463 l'autre yo même yo sorti la Tchéquie et puis 73 qui quitté pays takou Jamaïque yo l'autre côté yo souligné 90% dans chiffre moun sa yo même vini pour kontyo alors que gen 10% et bien qui vini avec mamb famille yo et bien yo dit tout et bien pourcentage moun quitté République Dominicaine yo pi ou passé tout l'autre pays sa yo da nous déjà dou République Dominicaine seulement rien 108169 qui donc qui gitan pour la majorité et bien l'autre pourcentage sorti d'accord États-Unis Bahamas Jamaïque Chicken Caicos qui bas et bien c'est là-dedans reste eux-même yo sorti dans rapport si là qui OIM lui-même li meté de yo et bien dans rapport OIM nan tout montré que 83% moun qui quitté République Dominicaine yo retourné dans département l'ouest centre avec sud et puis nord-est pour l'autre pays yo et bien migrants haïtiens ça yo même yo rentré pour aller dans nord avec dans nord-ouest et bien pays d'Haïti qui connaît un chiffre qui vraiment haut n'a pas plus pendant canal l'altap construit et bien des pile haïtiens qui étaient décidé volontairement tout retourner la caillou yo même parce que Dominique était commencé à maltraiter yo l'en connaît Luis Abinadel qui était fermé frontière et bien pas trop longtemps là Luis Abinadel était fait connait que frontière lui-même il était fermé et bien c'était décision PM Ariel Henry lui-même li te baye pour voir comment il était capable camper canal là ou bien il te dit pour canal là camper c'est fermé frontière là bien tout pays persi haïtien t'a passé c'était PM noir nous-même qui te baye l'ordre pour frontière te fermé et bien ça qui était la cause en pile haïtien il te retourné la caillou dans moment ça là pays les États-Unis et bien dans dossier conflit Gaza qui gagne avec Israël là et bien un soldat américain démissionné publiquement nan position li nan protestation contre la guerre nan Gaza. Yo officier militaire américain qui travaille pour agence intelligence Pentagon nan, et bien li même li démissionné publiquement nan position li pour protester contre si pour États-Unis a baye pour peuple Israël là qui a attaqué et bien juste dans jour là Gaza. Et bien soldat ça lui même qui démissionné c'est pas n'importe soldat qui c'est commandant
Harrison Mann, eh bien lui-même qui te travaille pour plus passer 2 ans comme un analyste intelligence pour Moyen-Orient, lui-même lui était partagé les démissions lui sous plateforme LinkedIn lundi ça là qui était 13 mai 2024 là, eh bien il prend position, il fait connaître, il pas dans dossier ça, eh bien yo perdit analyste ça lui-même qui travaille dans service intelligence pour Moyen-Orient, lui démissionné, eh bien c'est dans dossier qui vient pour avec conflit Gaza qui passe pas n'a pas les monde côté nous connaît grand pile université qui pas en fonctionner côté eux même yo levé royaux pour demander camper bataille qui pays États-Unis lui-même l'a soutenu Israël qui a fait et bien gros offensive rien côté sur constater la VOA créole là pays Vladimir Poutine et bien pays là aussi eux même yo continue tout et bien a fait bagaille yo dans Jean Payo n'a rappelé eux même qui gagne tout que qu'on cap fait entrer eux même avec pays Ukraine faut passer à la dernière information que t'a qui les fait connait au rien tant qu'on a parlé de la France l'autre pays t'a pas envoyé soldat bay Ukraine et bien rapide là aussi t'a fait connait depuis un soldat eux même yo pral mettre armes nucléaires de yo et bien rapide 7 février qui passé à la pendant président Poutine vient prêter serment et bien président français qui c'est Emmanuel Macron il t'a pas fait connait même yo pas voyer ou bien yo camper sous décision voyer soldat al aider pays Ukraine qui s'est passé là aussi Vladimir Poutine lui même li pas retourner avec Saigou comme ministre défense président Wisla qui c'est Vladimir Poutine remplacer Sergi Chongu comme ministre défense en chargement que lui même li a fait dans cabinet li pour commencer 5e mandat li dans tête pays là aussi et bien pour respecter loi là aussi à tout cabinet Wisla li supposé démissionner mardi après jeudi mardi à l'âme après inauguration Poutine dans Kremlin et puis en pile moun espéré que pi formant mieux même y a retourné dans portion Poutine signé un décret dimanche qui te saute passé à là qui te nommé Saigou secrétaire conseil sécurité nationale là aussi d'après ça et bien Kremlin lui-même li fait connait et bien pourquoi il est là un petit temps avant Poutine te proposé Andrei Belousov pour venir ministre défense pays na place Choigu et bien Choigu qui te plaisir temps en tête ministre défense là et bien Vladimir Poutine li d'essayer retirer et bien en après Choigu lui-même li te joindre arrestation là mois passé en bas accusation que lui-même li te recevoir l'argent en bas table et puis lui-même yo te bali l'ordre pour lui rester dans prison en attendant une enquête officielle lui-même li t'a pral mener sous et bien pays ça lui-même qui gen Jean Payo yo fait yo gen bon gens service secret qui pour bail information dans Jean Sahi et venir ça t'a do fait pourquoi il est là ministre là lui même qui pas ministre défense encore et Vladimir Poutine qui a passé mais les pays l'a géré et bien il pas plagué n'importe gens c'est pas quoi ça avant que nèg yo grand pile côté eux même yo prend fait ça avant yo fait ça et ouvrir là dans la République Dominicaine et bien n'a faut connait agent immigration République Dominicaine yo même yo pas suspendre ou bien dominicain en tout l'en parler agent c'est pas simplement agent qui veut les femmes haïtiennes yo surtout l'arrivée derrière ou illégal et nous connaît nous charge belle femme haïtienne et bien qui souvent tenté dominicain yo malgré majorité zak sa yo été et puis ni majorité zak sa yo pas dénoncé gagne Sénégal exam qui propose yo même en bandit derrière yo capable joindre nous même garçon passé en bas yo ben yo konn fait zak violence sous haïtien yo violé environ 5 dominicains agressés et puis violé yon ressortissant haïtienne dans localité Piantini qui trouvait dans San Francisco de Macolis en République Dominicaine victime dans les mêmes li fait quoi que individu yo même yo tira les armes sous lui menacé et puis forcé faire out couche pour yo même yo té capable al violer zak sa yo souvent répété en République Dominicaine majorité femme haïtienne yo surtout majorité illégale à vivre derrière et bien si tout moment ça pas gagne monde qui légal République Dominicaine tout de suite après Abinadel pour construction canal là lui-même il t'a pral couper et bien relation diplomatique avec pays d'Haïti pourquoi il est là dimanche prochain là pral gagne élection pour connaître si Abinadel là pour retourner sous pouvoir ou pas et bien en pile haïtien haïtienne yo illégal République Dominicaine faut passer à été lancé pour renouveler
permis trapoué que ou même yo bay la et bien dominique ou même souvent les senti ou comme ça et bien ni chef ni civil yo souvent violé femme haïtienne yo et bien na yon raison qui même qui pas paraît bon dit tout et bien dans localité Piantini San Francisco de Macolis Nathalie yo même yo déjà porté plainte Nathalie Sanchez li même li déposé à elle lundi 13 mai 2024 là plainte côté li fait croire que yo même yo té ralé zam sou li et bien menacé et puis forcé le faire coucher pour te violer et bien victime n'a déjà porté plainte pour nèg exam ça yo même qui fait viol sou li en République Dominicaine côté haïtien yo même yo pas suspend sibi action viol ça y a fait dans aéroport y a fait tout côté nous bouquer dans force ça et pour qu'on y a là nous pas gain président malgré nous gain 7 présidents dans pays d'Haïti et bien c'est eux même qui pour caler camper pour nous en face à République Dominicaine eux même qui pas jamais prend nous pour trop bagage surtout en noir la caillou Jean pays nous pas ca marcher nous sous même île et bien eux même si tu as gain une option pour tu vivre bien la caillou nous même tout comme haïtien nous t'a supposé capable vivre bien pour empêcher n'al prend humiliation en République Dominicaine qui toujours garder nous moins les nous river la caillou c'est violé femme yo fait tout genre de visa malhonnête sous population haïtienne pourquoi elle est là voisin là lui même li sous li développer c'est nous même qui toujours dans nécessité pour nous rentrer la caille yo même yo pas plus besoin nous pourquoi elle est là est-ce que si Luis Abinader lui même li tare bon pour aller gagner une solution pour nous même nous pour connait mais dossier qui gagne pour avec dossier maltraité et bien nous continuer à vivre li en République Dominicaine. Pour confirmer information que nous te bail sous policier bien sina pour confirmer que nèg exam yo même nan ka foutouyé ak bal et puis porté à l'école policier Jean Danas 22e promotion qui te un agent 3 et bien les mêmes qui te fait partie c'est bim et bien ça les mêmes li te passé Jean nous te déjà dou là hier lundi 13 mai 2024 là nan côte plaie 20 Kafou qui donc président dans commune Kafou policier Jean Danas lui-même li vin ajouté dans liste policier que bandi touyé pour année là qui déjà yon environ 18 policiers selon ça sina pour lui-même li fait connait qui donc c'est confirmé que bandi yon même yo allé avec corps policier Jean Danas qui fait partie 22e promotion qui était un agent 3 dans CBIM et bien nèg yo touyé et puis allé avec yo Kwa, pardon, yo même yo pa kite. Donc, le nèg yo touye, yo ale avec Kwa, men se mesay pa yo, yo même yo lansé nan sens, yap fè la police la li même pou ta plis énervé kote yo. Pour rappel, nèg sa yo la, nan denye jou sa yo la, ben, gen force mission multinationale la, ki deja a préparé terrain, majorité base deja a construit, et nèg yo pa ka attaque base yo, parce que gen soldat américain qui toujours aux alentours base ça yo cap porter sécurité pour base yo même yo capable construire bien yon façon pour nèg yo même yo pas capable monter mal pourquoi il a qu'est sauter et bien bon côté nèg exam yo si tout nous ouais la mort sans jour les même cap parler en pile nèg voye message iso li même gen information côté yo mande est-ce qu'il prêt pour le bataille avec blanc yo iso cap montre en pile détail et bien dossier yo pas petit dans république là mais ça qui paraît vrai là c'est que force mission multinationale là et bien tout bagay ta assemblé déjà fino que malgré beaucoup gen aucun communication officielle qui fait connait vrai date là mais bagay yo. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une première façon que vous capable ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur vous c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout pas oublier activer la cloche notification mettre le sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous porter une nouveau vidéo pour sur channel ça partager vidéo avec vos amis vos familles une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça aider nous grandir communauté channel là. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté tu abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a di au revoir tout le monde. N'a prévoyé encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.